Eh bien, bonjour à tous, bienvenue, je suis David Brault, l'auteur de l'ouvrage que vous avez entre les mains ou que vous vous apprêtez à acheter. Et si vous hésitez encore pour l'achat de cet ouvrage, n'hésitez plus, il fera partie de votre bibliothèque et c'est très important que vous en soyez, vous en imprégniez et que vous puissiez l'utiliser dans votre gestion de sortie de crise. Alors, comme chaque année, on a réuni un panel de 15 personnalités issues du domaine de la finance, issues du domaine du management, et qui vont témoigner de bonnes pratiques sur la sortie de crise. Alors ces personnalités, elles viennent de grands groupes internationaux, elles viennent de PME, PMI, d'ETI, et l'idée aussi c'est que toutes ces personnes viennent de secteurs différents. Pourquoi on a réuni ce panel diversifié? C'est pour expliquer qu'il n'y a pas une solution unique pour sortir de crise et que souvent il faut panacher les expériences, panacher les solutions pour trouver le meilleur cocktail pour sortir de la crise. Alors, trois idées forces du livre que je souhaite partager avec vous. Premièrement, le livre, il présente des expériences, il présente des bonnes pratiques, des méthodologies, mais ce qui sous-tend le livre, c'est qu'il n'y a pas une pensée unique et que quand on veut sortir efficacement de la crise, on doit réunir tout le monde et que chaque direction, chaque service opérationnel doit exprimer ses contraintes, faire un peu la pédagogie de son métier. C'est en réunissant les gens, en échangeant qu'on trouve ce fameux meilleur cocktail pour sortir de la crise. La deuxième bonne pratique ou l'idée forte que je veux partager avec vous sur le livre, c'est que tout part de la comptabilité. Alors, vous allez dire, oui, moi je suis issu d'un cabinet d'audit, j'ai appris mon métier par la comptabilité, mais comment on peut sereinement faire de la comptabilité analytique, analyser les marges? Comment on peut faire des prévisions de trésorerie si notre comptabilité n'est pas à jour et si elle ne sort pas à jet continu avec un bon niveau de fiabilité, avec des comptables motivés, expérimentés, formés? Donc, il y a tout un chapitre, vous verrez, sur balance à jet mon amour. C'est un peu, j'exprime un peu mon amour et ma reconnaissance envers les comptables dans ces moments de crise parce qu'on en a besoin et tout part de la compta. J'insiste encore vraiment en termes de finances dans ces moments-là. On doit avoir vraiment une équipe comptable forte et qui maîtrise son sujet. Dernier point que je souhaite partager avec vous, et c'est l'idée force aussi du livre, c'est que on a besoin d'un directeur financier dans ces moments-là. Il est au centre de tout. C'est lui qui est responsable de la prévision de trésorerie. Et la prévision de trésorerie, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne le temps, de combien de temps on dispose pour nous restructurer, combien de temps on peut tenir pour mettre en œuvre des actions structurantes ou des actions correctrices. Donc, le directeur financier, très important dans ces moments-là pour la sortie de crise. Voilà, donc bonne lecture à tous. J'espère que vous allez apprécier et le livre et les témoignages. Et puis, dernier point, encore un petit mot, faire un petit peu de commercial. Si vous avez aimé ce livre, parlez-en autour de vous. Et puis aussi, vous pouvez encore vous procurer le livre précédent dédié aux 100 premiers jours d'une opération de fusion-acquisition. Il en reste encore, vous pouvez l'acheter sur l'Internet et vous ainsi faire un peu, je dirais, la boucle, puisque normalement, la crise, à un moment, on en sort plus fort. Et quand on est plus fort, qu'est-ce qu'on fait? On achète ses concurrents. Voilà, à bientôt et bonne lecture à tous.